Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous êtes en forme. Hop, on est parti pour un nouvel épisode sur God of War. Donc oui, cette fois-ci, je suis là au niveau de la caméra. Et ben, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est parti pour continuer la suite de l'histoire. Donc on est en live comme d'habitude, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Twitch. N'hésitez surtout pas, on est parti, on continue. Donc on va passer le portail parce qu'on en est... D'ailleurs j'ai fait la mise à jour du coup. Du coup ça arrête peut-être moins buggé au niveau caméra parce que je pense que ça venait du jeu. Je suis pas sûr que ça vienne de ma manette. Parce que j'ai pas eu de problème de manette avec d'autres jeux. Donc je pense pas que ça vienne de ma manette, je pense vraiment que ça vienne du jeu en fait. C'est pour ça qu'il y a eu une mise à jour que j'avais pas faite parce que j'avais oublié de me connecter sur internet avec la PS4. Bah du coup on va continuer la suite de l'histoire. Tu ne te sens pas mieux. Allez go go go. Ouais, graphiquement il tue, c'est abusé. Tu m'as entendu parler, Afrien. Tu crois que tu comprends mais tu te trompes. Donc ça veut dire que ça y est, tu vas lui révéler en fait ce qu'il a comme capacité. Parce que je suis pas comme toi. Je sais que tu voulais pas de moi. Ouh, ça fait mal. Après tout ça, je pensais que... Oh, ça fait mal. Tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né dieu. Et toi aussi, Atreus. Atreus, tu n'as rien à dire. Est-ce que je peux me changer en animal? Est-ce que tu peux te changer en animal? Non. Non, je ne crois pas, non. En tant que... Vous entendez rien du tout? Je suis un dieu. Maman savait? C'était une déesse aussi? Non. C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature. Là, c'est mieux. Je suis un dieu. Pourquoi tu me l'as jamais dit? J'espérais te préserver. La vie d'un dieu est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie. Ce jeu, il est magnifique. C'est un fardeau. J'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire, il est super. Quelles sont les choses que je peux faire alors? Je peux voler? Devenir invisible? J'ai pas l'impression d'être un dieu. Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs. Il a les mêmes. Ils découvriront avec le temps. Il a les mêmes pouvoirs que toi. Ça s'est vu tout à l'heure. Il a exactement les mêmes pouvoirs que lui, j'en suis sûr. T'es sûr que je peux pas me transformer en loup? Si tu veux essayer, je t'en prie. C'est pour ça que j'entends des voix parfois. Ouais. On a jamais entendu toi. Pas comme toi. Rien d'étonnant. Chaque dieu est unique. Alors, ouais, chaque... Je serais peut-être pas fort comme mon père, mais j'aurais des capacités rien qu'à moi. Tu en as c'est déjà, ça. Mon grand. Englouti, donc là il y a encore le mot englouti. Il doit y avoir d'autres inscriptions par là. Je suis préparé qu'il y en a derrière là, non, on peut pas savoir. Non, il y a rien là. Non mais tire pas. C'est un truc de fou ça. Oui, c'est vrai que j'ai deux armes maintenant, ça c'est trop stylé. Voilà, voyons, vas-y, essaie de faire quelque chose là-dessus sur cette vasque là. Tu veux pas faire un truc? Non, tu peux pas. Vas-y. Vas-y. C'est bon, je pense qu'on a réussi. J'aurais voulu savoir que j'étais un dieu à Alfheim. Je m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille en tirer. Tu n'as pas de remords à avoir. Les elfes nous ont entraînés dans leur guerre. Non,
Je comprends maintenant. On avait des affaires de dieux à régler. Ah, les caméras marchent beaucoup mieux depuis la mise à jour. Tu ne vas rien lui dire ? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Ne te laisse pas submerger par la confiance, mon garçon. Ton pouvoir implique un choix. Tu peux soit servir tes propres intérêts, soit mettre ta divinité au service des autres, comme le faisait Tyr. Les gens l'aimaient vraiment, hein ? Oui. C'était un dieu de la guerre. Mais il défendait la paix. Il avait la réputation d'être brave et juste. Et il utilisait son lion, pouvoir non, non, savoir pour mettre fin aux guerres et non les déclencher. Chacun a son propre pouvoir. Ouais. C'est extrêmement rare, mais pas impossible. Putain, c'est... En vrai, c'est trop... Je pensais pas qu'on pouvait aller en bas ici. Là. Tu vois, ça nous ouvre encore d'autres perspectives dans le jeu. Tyr était vraiment un grand voyageur. Tyr pensait que c'était par l'esprit et non la force qu'on empêchait la guerre et la destruction. Et il savait que rencontrer différentes cultures lui donnerait une ouverture qu'il ne trouverait pas en restant parmi les siens. Alors qu'Odin a toujours gardé jalousement son savoir, Tyr n'hésitait pas à partager ses enseignements et sa sagesse. Je vais jouer un peu à Hearthstone et je dois être concentré. Pas de soucis, mais je te dis à plus tard, Renega, merci d'être passé, je te dis à bientôt. Un peu plus. Ça, c'est toute l'histoire de Tyr en fait. Comme une menace pour son autorité. Il soupçonnait Tyr de collaborer avec les géants plutôt que d'aider les As à dérober leurs secrets. Il m'a d'ailleurs accusé de la même chose. Mais dans le cas de Tyr, je pense que c'était vrai. Tu crois que Tyr aidait les géants ? Oui. Il se sentait responsable des souffrances qu'Odin leur infligeait. Je le suspecte de les avoir aidés à couvrir leurs traces. La tour de Yotunheim manquante ? Exact. Merci, mon femme, je te dis à bientôt. Et puis. A plus tard aussi. Alors, on va aller récupérer la rune noire. Bah, je suis en train d'écouter parce que bon, l'histoire, je la trouve vraiment bien. Et puis, on apprend plein de choses sur les deux personnages. Ouais, c'est la première fois. Par contre, c'est trop beau. J'adore le monde de féerique et tout ça. Ah ben non, c'est un prank, lol, c'est drôle. Ah d'accord, tu me prank maintenant. Je suis là, tu n'es pas seul. Mais finalement, il m'a fait un prank. Par contre, c'est trop beau. Le jeu est beaucoup trop beau. Évidemment. C'est quoi exactement? C'est un téléporteur? C'est quoi? C'est un. Waouh, il y a une énergie à l'intérieur. Waouh. Waouh. Tu ne pensais pas que ce serait aussi simple? Non. J'avais un espoir quand même. Désactiver les défenses du tombeau. Ça va jusqu'à où ça? D'accord. Je pense qu'il y a des indices aussi dans la pièce. Il va falloir un petit peu. Mais attends, mais il y a plusieurs entrées. Oula, attends. Un piège pour les vents de Hel. Mais où sont les vents? Les vents de quoi? Oh, on ne t'a pas dit. Quand tu étais malade, nous sommes allés à Helheim pour trouver un remède. C'est vrai? Non, c'est que la caméra. Non, si ça va. En vrai, ça va. Il y a des améliorations au niveau de la caméra. Avec un peu d'aide de. Tu crois que t'es là aussi? Donc il y a une énergie verte là, comment on fait déjà pour l'ouvrir? Il doit y avoir une autre énergie par là verte. Ah mais si c'est bon là. Là c'est bon, j'ai trouvé. Par contre marcher tout seul c'est son truc maintenant. Là. Attends, je vais la choper. Viens là. Vite dépêche, j'ai que 10 secondes. Non! C'est bon, je l'ai touché pile poil au bon moment. D'accord. Donc là, maintenant, ça fait quoi si on fait ça? Ça va ouvrir d'autres portes, je présume. Vas-y, ouvre d'autres portes. C'est pas très engageant. Ouais, mais c'est déjà mieux que rien. Mais de toute façon, on va pas pouvoir passer non plus, si. Mais non, on a pas tout ouvert. Dans tous les cas, on pourra pas passer. Attends. Mais il doit y avoir d'autres. Dans d'autres endroits pour ouvrir? Non, même pas, il y a que là. Les autres sont fermés dans les deux cas. Non, mais non, c'est par là qu'il va falloir passer. On va pas trop avoir le choix. Ah, oui, non, mais moi, un éthéreur de. Il y a des passages étroits de chaque côté. Parfait pour Yves. Vas-y, je vais me débrouiller. Fais attention. C'est bon, yes! Je suis passé. C'est bon. Silence, tête. Non, mais là, ça sert à rien. Il faut le bloquer en haut.
Là c'est bon, ok. C'est bon, on a réussi à passer. Mais non. Si, il y a un mode, c'est le YOLO mode. What the fuck? Piège à la noix. Ah, j'y suis allé au feeling, mais c'est passé. Waouh! Plein de trésors. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un mode YOLO! Il va boire quoi? Du vin? Ça doit dater de plusieurs années quand même. Il devait être ici il y a plusieurs années, je pense. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qu'il veut récupérer, la rune noire? C'est peut-être ça, hein? Peut-être ce vase? Cette vasque. Qu'est-ce qu'il fout? T'as trouvé quoi? Merde, il a pété le truc. Bon d'accord, ah, c'est pas ça en fait. N'oublie pas pourquoi nous sommes ici. D'accord. Ah, c'est sacrément lourd pour lui en même temps. J'imagine celui qui devait le porter. Mais c'est comme tout à l'heure, sauf que là, trouver un moyen de sortir d'ici, ou pas. Mais peut-être pas en fait. Ah si, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah oui. Non. Non, c'est l'autre. Ah, d'accord, ils viennent de d'autres portes. Ah super. Allez, vous allez. Non mais en vrai, il y a peut-être moyen qu'il a raison, mais le truc c'est que je dois avoir l'énergie. Ouais, ce que je veux dire ici, il y a une énergie. Non, c'est pas là. C'est l'entrée. Là, j'ai ouvert une autre porte. Et ça doit servir à alimenter. Attends, elle est où l'autre porte? Attends, c'est un bordel. Je suis perdu dans mes propres trucs. Attends. Attends, on peut pas monter là-dessus. Ah, mais si, vas-y, fais péter là-dessus. Là. Il y a peut-être d'autres indices qui vont pouvoir m'aider. Ah, attendez, attendez. Il y a peut-être moyen d'aller plus haut. Vas-y, monte, monte. On va continuer par là. Et ben voilà, quand tu veux, tu peux. Tout ça pour faire ça? Ça sert à quoi alors? Ah si, c'est bon, j'ai rien. Non, j'ai rien dit, c'est qu'on est un peu plus haut. Non, non, c'est bon, j'avais rien dit. Ça veut dire quoi ça? À la caméra? Et celle-ci. La pensée est plus rapide que le vent. Une énigme à résoudre avec notre tête plutôt qu'avec nos pieds, voilà qui m'arrange. Mais attends, mais j'arrive pas à le toucher, c'est un truc ouf. Et je suis dedans. Non, c'est qu'il y a plus d'énergie dedans. C'est bien ce qui me semblait. Et là, ça signifie quoi ça? Ah bah vas-y, jette là, voilà. Non mais restons, il y a encore des trucs à voir. Tyr était vraiment paranoïaque. Oui, c'était à cause d'Odin. Et c'était justifié. Ouais, c'est vrai que d'un côté. Vas-y, on redescend, tranquille. On a voulu voir ce qu'il y avait là-haut. On l'a vu. Mais alors. La suite, parce que... Là-bas, oui, il y a celle-là, il y a cette énergie-là, mais ce que je comprends pas, c'est quand on est allé dans les... Ah oui, il y a une autre porte là qui s'est ouverte. Ici, là. Non, c'est pas là. Ça, c'est le truc des pièges. Non, mais c'est bien l'autre côté! J'abuse. Mais pourquoi il veut pas se réouvrir, elle? Je l'aurais bien re-ramassé, mais... Non, c'est bouché, là, c'est bouché. L'énergie, elle est là. Mmh. Quel bordel. Je vais te laisser, merci pour ce bon live. Il tient le coup si me... C'est un truc de ouf. Ouais, bah ouais. Pas le choix. Attends, c'est moi ou je viens de faire la même pièce là?
Non, non, c'est pas la même pièce. C'est pas la même pièce. Sauf que là, c'est différent. Parce que là, il y a ça. Et là, il y a ça. De ce côté, j'y suis pas encore allé. Ah, mais il est en plein milieu. Non, mais va pas dedans non plus. Mais va pas dedans. Oh, quel... Ouais, non, c'est hyper chaud. Mais là, je suis allé rester au même endroit. Vous avez pas des idées ou quoi qui pourraient m'aider parce que là, là je suis complètement bloqué. Complètement bloqué. Parce que là, je suis en train de calculer si je peux essayer de voir. Si je prends l'objet en haut. Non, ça va. Non mais ça va pas aller. Ça va pas aller, ça va pas aller. Mais non, je pourrais pas redescendre. Donc soit je fais monter la plateforme, soit je. Oh là là, mais quelle galère, mais quelle galère, quelle galère, quelle galère. Là, j'avoue que c'est... je suis en mode... C'est quoi le bordel, en fait? Comment je fonctionne? Pourquoi tu n'utilises pas la hache? Mais la hache, tu veux que je l'utilise comment? C'est ça que je comprends pas. Laisse la hache sur le truc vert. Je ne peux pas. C'est pas possible, la hache. Je ne peux pas l'utiliser. Sur le truc vert. Je peux utiliser que les deux trucs que j'ai sur moi. Je trouve pas. Là. Tu remontes. Non, Uber Eats a pas sonné, c'est bon. Vite, 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 vite. Monte. C'est pas les haches, c'est les deux trucs là. C'est pas possible de la laisser sur les trucs verts. C'est impossible. L'hache ne marche pas. C'est ces deux trucs là qui marchent pour les trucs verts. Ça là. Ces deux trucs là. Y'a que ça. Et je ne peux pas le laisser sur. Regarde, je te le montre. Hein. Ça reprend à chaque fois. Là, elle va vers le bas. Mais je peux pas descendre rapidement. Ah, mais si, je le mets là. Ah, pas bête. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais me tuer en fait. C'était tellement logique. Et oui, l'énergie se transfère. Non, j'ai pas utilisé. Non, j'ai pas du tout utilisé Google. Sur la vie de ma mère, j'ai pas utilisé Google. Vraiment. Genre, vraiment, du tout. Enfin, la vie de ma mère, je vais pas traiter sur la vie de ma mère non plus. Mais genre, vraiment, j'ai pas utilisé Google. Non, c'est bon, c'est fini les spoils à. Je sais pas quoi. J'ai pas me gâcher l'expérience de jeu. Mais alors, attends, par contre, il est où le point? Ah, il est là. Bon, ok. Là, viens là. Dépêche, dépêche, dépêche. Et là, c'est bon, on y est arrivé. Ah non, dépêche. Là, là. Merci. Oui! Ah non, vous allez. Ah, vous avez failli m'aider en regardant sur Google. C'est ça que vous allez dire. Ah oui, d'accord. La pierre unique, elle descend. Merde, oula. Oula. Un piège encore. Atreus, ne reste pas ici. Oula. Tire sur les chaînes le long du mur. Mais il y en a trois. Qu'est-ce que je dois faire? Atreus, concentre-toi. Tu peux le faire. Fais vite, petit. Celle du milieu. Allez, réfléchis. Non, je ne peux pas me noyer. C'est déjà ça. On s'arrête pas. Une minute. À quoi sert cette grosse chaîne? Mais la grosse chaîne, c'est en haut. Ah, je savais qu'elle servait à une truc cette chaîne. Oh 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 oh. Oh, c'est la galère. Oh, c'est la galère. La galère, la galère, les potes. J'ai une commande, mais c'est pas, ça va attendre 2 minutes. Je ne sais pas. Mais bloque la chaîne, mon pote. Sans couteau. C'est le seul moyen. Ça va pas tenir longtemps. Oh oh oh. Hey, il est plus intelligent qu'il ne croit. Yes, on a réussi. Ouais, j'ai une commande déjà, oui, oui. Eh ben c'est bon, on est sorti de ce pétrin. Je sais. Mais il t'a sauvé. Ouais, de ouf. Mais on va sauvegarder là.
m'en voulez pas, mais moi il faut que j'y aille, donc je vais vous laisser pour le. Eh ben, je suis pas là à mon avis. Pas d'accord, pas de problème. Écoute, je te laisserai regarder les épisodes de Kira sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. On se retrouve pour les prochains épisodes. Et je vous dis à la fois prochaine, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao le live, ciao la vidéo, ciao ciao.